Ouais, bah c'est celui qui a tué les gens, là. Écoutez, monseigneur. Allez, parle, on parle, vas-y. La revanche du Morning Star. Trust me, the ship it speaks of is too old and too well beached to salvage anything of value. Just a musty old wreck, full of rotting scraps and broken promises. All I was able to scavenge was the captain's final message. From what he says, it seems there was only one survivor, and no one's seen them in years. Wait, I recognize you. Word around here is you're going after the shores of gold. Just like the crew of the Morning Star. You're a little late. Grey Marrow caught up with the Morning Star long ago and stole their Shroudbreaker piece for himself. Even if you knew where to find him, he'd never give it up without a fight. Take the book if you think it'd help you, but if you're planning to take on Grey Marrow, you should know that he's no ordinary Skelly. He's got some nasty tricks up his sleeve, and plenty of friends too. Well, pourquoi I've said all I can. Moi. You can either take my advice or not, I suppose. Now leave me be. I've got a ship to finish. Oui. Non, je regardais si vous étiez derrière. Ah, je me suis dit à tous les coups, c'est moi qui va passer devant, tu vois. Je vais prendre ma part, Maitine. Ah, capitaine Ellie, c'est là qu'on a un des deux, qu'on a libéré, un des trois. Compte rendu de la dernière bataille d'une Morningstar et de son équipage. Capitaine Ellie Slate. Si vous lisez ceci, alors vous avez trouvé le Morning Star, ou ce qu'il en reste, sur Boulder Cay. On fait un rond sur Boulder Cay. Mon équipage a déjà quitté le navire, sans compter celle qui est passée par-dessus bord, juste avant la bataille. Intentionnellement ? Le navire contient plusieurs traces écrites qui témoignent de nos derniers instants. Si vous êtes aussi à la recherche du Shroudbreaker, veillez à la récupérer. Votre réussite, voire votre survie, pourrait en dépendre. On se croirait à l'école. Pourquoi ? Fais une dictée. Non, c'est pas comme ça qu'on parle quand on flie. Ah. L'espoir d'échapper aux griffes de Grey Marrow, notre bourreau a volé en éclats après avoir découvert un parchemin jauni en lambeaux où étaient grossièrement dessinés nos portraits. Bien que les runes m'étaient inconnues, j'ai toujours eu des facilités à déchiffrer les codes secrets. J'ai ainsi pu comprendre une partie du message rédigé, je suppose dans une langue squelette secrète. Il s'agit d'une mise à prix, nous sommes le gibier. Curieusement, cet état de fait a facilité ma décision. Il est possible de semer un navire, mais pas une armada. L'histoire de notre Morning Star touche à sa fin, et son équipage doit se séparer pour gagner du temps et entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour lui échapper et l'empêcher de mettre la main sur la pierre du Shroudbreaker. Se faire capturer par Grey Marrow est encore pire que la mort. C'est fini. La direction Boulder Cay, c'est en... Nord-Ouest. Nord-Ouest. Et toutes les vieilles pierres que t'as vues. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Le Morning Star ici, on cherche le bateau. Et là, il y a un truc. Ouais, mais on attend tout le monde, les gens. Ok. On attend les gens, le bateau, il est pas garé encore. Oh, il y a une caisse, là. La soie exotique. Je la laisse sur la plage. C'est à l'avant ou à l'arrière du bateau qu'il faut trouver des trucs? T'as l'air, ça, si. J'ai vu un truc qui brille. Il y a un problème de son. Non, parce qu'on est en train de faire la quête, c'est pour ça. Quelqu'un a fait quelque chose. Ouais, quelqu'un a trouvé des pages là, c'est nous le dire. J'ai trouvé des pages, les gens. Bah, c'est des trucs qui brillent, c'est une quête pour moi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Mes excuses, c'est ça, je pense, la lettre. Ouais. Tiens, une bouée de sauvetage, prends-la. On va meurtre. RP un jour, RP deux jours. Yes. Ah.
Ah, la suite. Quoi ? Ah ah, donc elle nous a menti, elle a pas tout trouvé. Rohan. Bah, allez. Bah non, je suis obligé de respirer. Si je veux parler. J'étais en train d'essayer de faire RP, de retenir ma respiration et tout, mais il y a Anne qui démarre. Donc du coup, je suis obligé de faire. Dans l'eau, tu peux pas parler dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Je vais me faire mal là. Et une caisse de soie ici. Ah, Michel. Michel. Fous-moi la paix, Michel. Il est où, Balrog? Ah, il est là. Ah, Michel, il charge Balrog. Michel, je t'ai loupé, Michel. Balrog Michel. S'est fait croquer. Non, c'est bon, il me l'a perdu une jambe. Ah si, oh, il me reste plus de vie. Non, je suis mort. Je suis mort. T'es mort, Balrog? C'est triste. Ah. Manifeste. Abandonné dans le navire. Donc on est arrivé là. Mes excuses, je n'y arrive plus. À chaque rare instant de sommeil, au moindre grincement qui résonne tel un squelette, je me réveille en sursaut, la terreur au ventre. Je dois en finir, on approche de l'île où Fontaine va cacher nos uniformes. Derrière à l'horizon, je le vois. Oui, ses voiles. Je n'arrive pas à hurler, ni même à respirer. Il faut que j'abandonne ce navire. L'eau est sombre, profonde, mais ça reste préférable. Je vais me jeter à l'eau, attendre une sirène et changer de vie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Gilles. Manifeste de fret, baril abandonné dans le navire, corde abandonnée dans le navire, uniforme voire note, banane à emporter avec l'équipage, gras abandonné dans le navire. Abandonné dans le navire les planches. Ah merde. On retire nos uniformes, hors du capitaine, mais comment retrouver Grey Marrow si on ne peut pas identifier? Ils sont trop jolis pour qu'on les brûle. Je vais demander à Fontaine de les enterrer sur l'île, sur le rivage ouest, là où le sable est bien profond. Les travaux manuels, ça ne me réussit pas. Je suis devenu pirate pour... Pourquoi? Pour hanter? Je suis devenu pirate... Pour entrer? Pour hanter, pour entrer, pour hanter, pour éviter, pour éviter, ah, pour éviter, ah. Un V, un I, d'accord, pour éviter les journées d'un travailleur. Loi. Foi de Fontaine, ah, d'accord. Évidemment, il n'y a plus personne pour m'aider avec cette idiote de Jill qui est passée par-dessus bord. J'espère qu'elle se fera dévorer par une sirène. Ah, c'est Jill, c'était une fille. Comme je n'ai pas la carte, je vais me servir de cette note pour ne pas oublier. Emplacement du coffre. Il est enfoui dans le sable, entre un palmier et une pierre. Ça ne devrait pas être difficile de le retrouver, vu qu'il est bien calé. Entre les deux, je regrette déjà les regards admiratifs qu'on nous lançait quand on était parés de nos plus beaux atours. C'est la vie, comme on dit. Ça, c'était l'indice pour trouver le coffre d'uniforme, c'est tout? Oui. Donc Luffy a trouvé. Il est où le coffre d'uniforme? Vous l'avez ouvert? Dans la cabine. Non, je vous ai attendu. Hop. Vous êtes tous là? Là. Ouais. Prêt? Pas la clé? Pas d'un. Ah, pas besoin de clé. Vas-y, ouf. Ouais! C'est un tapou! Fidèle à l'équipage. Et donc? Ah, y'a une suite. Il y a sans doute des pages qui ont été ajoutées. Oh, il y a un code. Oh non. L'uniforme est ajouté à la malle des vêtements. Oh, trop stylé. Ellie, paiement reçu, merci. C'est l'un des membres de ton équipage. Si l'un des membres de ton équipage veut me parler de squelette, il n'a qu'à me retrouver dans ma chaleureuse taverne à l'avant-poste Sanctuary. Ou aller en Sanctuary. Ne t'inquiète pas, je ne le répéterai à personne, à moins de tomber sur un client paré d'un de ces uniformes qui font ta fierté. L'indiscrétion vaut 10 boulets de canon. Ce vieux poivreau de Jasper avait la langue bien pendue hier soir. Il dit qu'il a voulu se joindre à ton équipage et que tu as refusé. Bien éméché, il a fini par raconter le but de ton voyage au brut de Grey Marrow. Les clients n'ont guère apprécié. Je crois qu'on ne verra pas Jasper de sitôt. Sympa. Oh! Je comprends presque le code. Oh! Oh! On est dans la merde. Oui.
Oui, quand j'ai vu le code, j'ai fait waouh. Oh, la merde. Faut aller à Sanctuary. Bon, ouais, c'est en sud. Mais le code, mais ça va être une horreur. Guy. Hein. En gros, je suis sûr qu'il y aura un truc sur des murs qu'il faudra trouver. C'est pas le moment de bouffer, Guy. Mais coup, si, c'est un moment de libre, regarde. Et quoi, tu fais cuire? C'est du requin? C'est du requin, ouais. Du coup, faut aller où? Pour après, c'est à l'avant-poste Sanctuary. En sud. L'avant-poste Sanctuary. Ah, l'inscription pour au moins 10 boulets de canon. Pouh, c'est pas là. C'est où l'événement là-dedans? Mal de vêtements, c'est là. Oh, oh, il y a des beaux chapeaux. Ah, mais du coup, après, je retrouvais plus ce que j'ai. On vous attend à la taverne. On attend Titi. Bah non, Titi est là. Titi est là, on attend ça. Mais non, t'es stylé là, Titi. Mais oui, t'es stylé, Titi. Ah oui? Mignon, Titi. Il est raciste, le fils. J'ai acheté un pantalon. Arrête. J'ai un pogué. Pas vrai. C'est bon? T'as un constat. What will it be? Ah bah, faut qu'on parle tous ensemble, en fait, je crois. Oh, Jaspar, un misérable petit homme. Oui, c'est lui qui a vendu votre équipage à Camaro. Non, mais... Ta tête. Bah, quoi? Ah, pardon. Canon cool. No problem. Où le vendeur d'accessoires? Juste en face de la rose. C'est lui? Ouais, c'est lui, Taylor. Mais Barak, t'es où? Non, c'est pas Taylor. Charles. Ici. On attend César. Moi, il m'a dit qu'il voulait que j'aille creuser. Ils ont été creusés à Canyon Cove. Quoi? Ah, ils t'ont dit ça, toi? Bah oui, ils m'ont dit ça. Oui, quoi? Moi aussi, ils m'ont dit ah, d'aller putain, à Canyon Cove. Putain, non, moi, ils nous ont dit d'aller voir. Vous avez pris quelle ligne? Bah, celle du milieu. Moi, j'ai commencé par celle du haut, après milieu et après bas. Ready when you are. Donc, je pense que. Vous savez qui je suis après. Ah, d'accord! Ah ouais, si vous zappez tout, les gens... Parti sur celle du Boning. Ah non, j'ai pris les trois, moi. Ah, attendez, bah alors j'y retourne, du coup. Ah oui, t'es obligé d'avoir l'équipement pour... Ok. Mais bah oui. Bah j'ai tout, moi. Équipement. J'ai loupé des équipements. Canon Cove. Do I know you? Non, c'est Shipwreck Bay, je crois. Non, Clay, ils disent. Je suis pas sûr parce qu'ils se gourrent. Est-ce qu'il y a Shipwreck Bay, Clay, elle existe vraiment? Il y a Canon Cove, ok. Et Shipwreck Bay. Attends, bah, je vais voir ça. Hop, on l'a pas vu, celui-là. Salut, le pôle. On contourne, voilà. Shipwreck Bay. Et Canon Cove. Non, c'est pas grave. Y a pour moi, Shipwreck Bay, elle existe pas, il s'est juste trompé. C'est lien pour Zoro. Non, il n'y a pas Shipwreck Bay, c'est Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Donc Shipwreck. Hop. Et Canon Cove. On l'a pas vu. On est ah, on l'a pas vu. T'as vu quelque chose, Titi? Hop, ah, non, je vois rien. Ah, non, on l'a vu. Non, il n'y a pas Shipwreck Bay. Canon Cove, je pense. Canon Cove et Shipwreck Bay. Bon bah, Canon Cove en premier, du coup, j'imagine. Eh bien, sud. It's been memorable. Okay. Attends, attends les autres. Luffy fatigue, laissez. Non, et puis même, c'est surtout que c'est le genre de code qu'il y a dans les... de coffre qu'il y a dans les quêtes. Tu sais que c'est toi, Titi. Arrête de jouer, tu vas vraiment finir par blesser quelqu'un. Je sais que c'est toi, Titi. C'est pour ça que c'est toujours toi, Titi. Dégage, je vais me retourner, genre en sortant mon sable, mais ça va faire mal. Mais qui l'est? Titi?
Je suis là, moi. On est tous là. Putain, il m'a fait peur. J'ai rien fait. Lumière là-bas. Ah, ah ouais? Il y a un genre, il y a un type qui nous suit. On est censé trouver des gens ici. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit se faire en fait. Tu vois, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un squelette. Oui. Ouais. Ah tiens, j'ai trouvé une grotte. T'as trouvé du feu? Non. Y'a rien d'intéressant ici. En fait, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? J'ai trouvé un capitaine là. Il y a un truc qui a parlé. Oui. Qui est ici? Où ça? Ici. Mais c'est ouais. Où ici? Là. Putain, mais Diggy. Putain. Bah. Mais prends ta boussole et indique tout. Ah oui, c'est pas bête. Putain. Au sud-ouest. Ah, faut monter en haut. Pas l'anglais, mais y a pas de soucis. Ah ça y est. Capitaine Creeper. Assassin's Creed petit. Oh attends non. Ouais. Attends un peu maintenant. Ouais. En fait faudrait que ils soient. Parce que c'est des squelettes fantômes là. Non, il n'y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un. La pierre à 8 pierres. À 8 jambes. Oh il a changé de vue. Assassin's Creed. Il y a des gens qui sont apparus. Y'a un spectre! Cool, il finit! Au secours! Au secours! Faut de la lumière! Faut de la lumière! Aïe! Pousse! Vas-y! Mais ce bruit de cochon! Mais arrêtez d'embêter Porky! Putain, vous êtes buté de temps. Vous savez que Porky il valait vachement cher! Du cochon! Tiens! Oh là 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 là! Putain, ils ont buté Porky! Mais j'ai rien fait moi! Moi je tapais les squelettes moi! Le bâtard! Ah, ok, il y a un code à déchiffrer. Super. Ah, oh, super, alors, ça va être bout, bien. Bout de papier. Alors. Tourne en bateau. Hop. Alors, je prends un bout de papier. Creeper, écoute ton seigneur. Je dois me reposer pendant mon sommeil. Je veux que tu ailles chercher le crâne de pierre de ce bandit de Douglas. Si le capitaine Chow exécute bien mes ordres, alors je pourrai nous le ramener. Je vais me reposer à H dans le cimetière Glamaro. C'était le message que Glamaro, et en fait le dernier mot ça veut dire capitaine voilà. Crâne de grotte marché soleil levant quand soleil impact visage paramètre soleil marché kraken pierre visage plage marché quand visage étoile polaire, marché 7 déterré.
Voilà. Pas très français, ça. Ok. Me demande pas, on verra quand on fera... Ouais, je peux le dire. Mais me demande pas. Donc, on est là. Mais les autres, ils pêchent. Attends, mais t'as trop de mots par rapport au nombre de caractères qu'il y a sur le truc. Mais non, pas du tout, Balrog. Un mot, un caractère égale un mot. Oui. Bah, il y a voilà. 1, 2, 3, 4. Il y en a un de trop parce qu'il y en a un qui en vaut 2. Ça s'appelle paramètre soleil. Me demande pas ce que ça veut dire. Soleil le vent. Vas-y, répète tout doucement, Titi. Commençons par le titre. C'est quoi le titre? Capitaine Crâne. Ok, on s'en fout. Deux grottes marchées. Soleil marché, le vent. Marché, marché, M-A-R-C-H-E-R. Ouais. Oui. Ok. Après marché, c'est soleil levant. Donc à l'est. Quand soleil. Impact. Visage. Paramètre soleil. Marché. Kraken. Pierre. Visage. Plage. Marché. Quand. En fait, c'est un truc qui te dit de où marcher, quand marcher, oui, t'as dit que les directions et tout. Okay. Visage, étoile polaire, marcher, 7, déterré. Marcher 7 pas. Bon, on va sur l'autre île ou... Ou alors c'était sur cette île-là qu'il faut qu'on retourne pour faire le truc, je sais pas. Bah non, ils avaient parlé de Shipwreck Bay. Je sais pas, il y avait un Kraken sur cette île, en pierre. Ah bon? Oui. À canon. Oui. Cool. Oui, il y avait une pierre avec un Kraken dessus. Qu'est-ce que t'as pour qui? Je vais me reposer à H dans le cimetière. Est-ce qu'il y a un cimetière dans ta. Sur l'île? Là où je suis là, je sais pas. Ah, ok. Bon, entre juin, on va voir si c'est pas. Bon, je reste sur l'île alors. Ouais, reste sur l'île entre juin. Marché. Attends. Non, Kraken Pierre, c'est visage, plage, marché, camp, visage, étoile polaire, marché, 7, déterré. Ben, la plage. Une fois la plage, je vais aller au nord. Étoile polaire, marché, 7. Et, qu'est-ce qu'il disait, déterré? Marché, 7, déterré. Voilà. Je sais pas. J'ai. Voilà. Ouais, c'est au pif en fait. Ouais. Non, c'était ça en fait. C'était quoi le 7 pas? 7 pas à partir d'où? De là? Non, à partir de là, du camp. Et ensuite, 7 pas à nord, donc l'étoile polaire qui est là. Non, il parlait pas d'un camp, il parlait d'un visage. Le visage, j'avoue que j'ai pas compris. Moi, j'ai juste suivi la moitié des infos et ça marchait. Je sais pas sur quelle île on est. Cannon Cove. Cannon Cove, on est. Et là, du coup, on va sur l'autre, j'imagine, maintenant. C'est où, Titi? Balrog César, ici, ouais, bah voilà, c'est bon. Ouais, je sais pas. C'est bon, les gars, on l'a trouvé, il est là. Je sais pas, moi, j'ai trouvé personne, en fait. Donc... Mais Titi, reviens ici, derrière toi. Titi. Ah. Quoi? Viens voir, j'ai des news. Il est où, le livre? Il est là. Derrière les tonneaux, juste là. Sur un petit tabouret. Ah oui, carrément. On raconte certes ni haut ni fort que Kaimaro maîtrise des pouvoirs uniques. Il aurait trouvé le moyen de faire s'échouer l'âme de ceux dont il triomphe au combat. Les âmes ainsi damnées ne retrouvent jamais le vaisseau des damnés et errent à tout jamais. Ah, ça rime. Nous naviguons à pleine voile vers Sunken Grove. Au cœur des Wilds, je serai de quart cette nuit. Mais pour une fois, je ne céderai pas au sommeil. Je le sais. Voilà. Hein? Voilà, faut aller à Sunken Grove. Et franchement, là par contre, nique-toi le jeu. Hein, parce que très clairement, mais comment attends, tu c'est pas, ça, mais hein. C'est pas dit que c'est ça. Bah le mec est allé sur Sunken Grove et le pirate était là-bas. Hein. Le mec, quand j'ai vu la vidéo. Hein. Ouais, aïe. À Sunken Grove, en espérant que ça soit ça. Et ouais, ce bout de là de la quête, ouais, c'est n'importe quoi. Si c'est ça. Si c'est ça, je me suce le gland. Pardon? Non, t'es sous. Ouais. Moi, j'ai jamais réussi, hein, perso. Mais... Ouais, mais au moins, on pourra manger du pâté.
C'est là. Regardez, il est là. Il est là, Capitaine Shaw. Il est encore parti en courant, le fils. Pour le Kenneth! Pour le... Pour la gloire! La garde meurt, je vais te rendre... Au revoir, Saint-Denis! Arrêtez, Philippe! Si je Philippe! Vous allez mourir. Ah, il y avait ma mère qui me parlait, c'est pour ça. Ah. Pour qui? Où s'attendait, moi? Ah, il ne fait que bouffer. Ça. Mais en fait, ça, c'est limite décevant parce qu'à part Bixby, en fait, ils sont assez faciles à tuer. Il n'y avait que Bixby qui était compliqué à buter. Bixby. C'est pas fini, Balrog, l'histoire. Par contre, on est d'accord qu'on n'a pas eu de. Ah, il est là, 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 là. GG. Il y avait le contrat. Oh putain, j'ai cru que ça avait bugué. Rapportez-moi la coupe. Rapportez-moi la coupe qu'on me réveille que lorsque vous serez de retour dans avec Gripper, je me reposerai en E. Douglas reconnaissant. Reconnaissez l'équipage du Morningstar au premier coup d'œil avec son aide. On va enfin pouvoir attraper la mauviette qui m'a échappé. Douglas, reconnaissez l'équipage du Morningstar au premier coup d'œil. Douglas. Douglas, donc, c'est le capitaine. Il y a encore une énigme, Luffy, à faire. Ouais, on le fait. Tranquille, vas-y, bout de papier. On va sur le bateau, on va sur le bateau, vous allez vous faire attaquer encore. Ouais, j'arrive. Bien joué, il l'a. Ça, t'es où? En fait, fallait faire cette pas de là où il était, Guy, en fait. Ouais, je pense. Il était où, Guy? Montrez. Guy, il était là. Il était là. Il fallait avancer cette pas. Oh putain, ok. Il fallait repartir dans l'autre sens, d'accord. Ouais, fallait. En fait, l'énigme c'était. Du crâne, vous marchez direction sud-ouest jusqu'à arriver à un camp. Une fois arrivé au camp, vous marchez direction soleil levant, donc direction non, direction est. En fait, il y a marqué marcher camp pierre, donc jusqu'à la pierre en face. C'est ça. Pierre, non, soleil levant, non, soleil levant. Donc, du coup, c'était est, direction est. Donc, direction est jusqu'à la pierre. Donc, tu marchais jusqu'à la pierre. Et arrivé à la pierre. Visage par mètre soleil. Et tu après, allais, tu faisais demi-tour et tu partais. Tu faisais 7 pas dans la direction inverse. Et tu te déterrais. Ah, bah non. Douglas. Non. Faut mettre le. Faut aller en H. Non. Faut aller en H6. Grémaro, je vais me reposer à H. Avec Gripper, je me reposerai en 6. Ah oui, H6. H6, tout simplement. Oh putain. Oh. Et cette fois. Hein. Faut pas l'invoquer avec les trucs là. Pas venir vers nous, quoi. On prend pas les machins qu'on a dans la cale, enfin dans le. Bah si. On prend pas le calice et le crâne. Bah je prends le crâne, tu prends le calice, tu dis. Ah, ouais. J'ai trouvé pour qui? Calice de tabernacle. Calice de tabernacle. Oh, Luffy a dit vagin. Mais j'ai pas dit vagin. Il raconte quoi? Maintenant, tu viens de le dire. Il vient. Ah, l'enfoiré. Bah oui, tu viens de le dire, Luffy. Enfin, Luffy. Oh! Ah non. Pourquoi il y a un coffre du chagrin ici sur la tombe? Ah. Ah, parce qu'il pleure. Parce qu'il a le chagrin. Ah. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? La quête. Ah. C'est A. Attends. Voilà. F. Placer l'objet enchanté. Ah. Ouh. Hein? Oh. Oh putain. C'est pas moi, c'est Luffy. C'est Luffy. C'est Luffy. C'est Luffy. C'est Luffy. Attends, tu me fais pas peur. Viens te battre. Viens de battre. That means you must be an imposter.
Oh putain, il est vénère. Those cowards didn't deserve to reach the shores of gold. They were such worms. Worms. Jumped overboard the minute she laid eyes on me. Quand elle a posé les yeux sur moi, c'est ça qui est caché. Cut you down just as easily. Except I think I'll take it. Vas-y, viens le dire en face, le Joe, le David. Non mais c'est le gros, arrêtez de l'exciter comme ça, c'est le gros là, il est méchant. Viens là. Je t'avais dit que t'es gros. Méchant. Couché. Ah, pourquoi il y a... Pourquoi il y a un cop sur le... What? What? Maman. Je vais mourir. Mais il est parti en dessous. Putain. Ah mais son nombre de chocs, bordel, j'ai mangé un ananas hein. Non, je suis coincé. Vite. T'es mort ? Ouais. Oh Titi, je t'ai vu ! J'ai volé. Ah, j'ai mal ! Je vais mourir. J'ai mal ! Ah non, je suis mort ! Et les squelettes qui m'ont pris en traître ! Aïe, j'ai mal. Ils font trop mal les squelettes. Ah, ils sont chiants, ouais. C'est bon les ananas. J'en ai 3-4 sur 3-4-5 sur moi là. Ça, c'est un vrai boss. Ouais. Je savais pas que ce jeu c'était aussi comparable à Dark Souls. Non, quand même pas, mais là. Putain, ça, salut Balrog, je vais devoir passer un Balrog. Ah, mais ça blesse aussi ses camarades. Bah oui. Les squelettes aussi. Bah, le jeu n'est pas con quand même. De la vie. Et comment il fait pour avoir de la barbe? En fait, c'est comme Brook dans One Piece. Ce cheveu. Putain, on l'a spawn kill. On l'a pas tué encore. Spawn damage. Oh, cours! Ouais, on court là. Ça va, là? Ouais, ça va. Vous êtes mort? J'avais pas, vu comment je suis mort, je savais pas que je pouvais voler si loin. Ah, on l'a pas eu là? Non. Ils ont l'appareil. Là, ici. Ah, mais je suis parti chercher de la bouffe. Il est où? Ah. Non, c'est vite. Ah, y'a plus de bouffe. Hein. C'est bon, là, il fait juste. Allez, vas-y. On l'a eu. Ah, lui. Oui. J'ai. Oh, ça c'est Luffy. Oh, ouais, pas de mal. Ça brille. C'est la dernière quête les gens après. Hein. Pour retourner à l'avant-poste d'ailleurs. Pour prendre le bijou qui pleure. Tant qu'on y est. Sinon. Is it true? Did you really destroy Grey Marrow? Ah oui, c'est vrai. Am I finally free of him? You have no idea how good it feels to hear that. The truth is, I went back to the Morning Star out of guilt, not out of greed. C'est elle qui a sauté par du bord. Jill, oui. The one who jumped overboard rather than face Grey Marrow. Ah, c'est Jill. After that, I gave up my name and my old life to hide from him. Ah, j'en voyais plus. I tell everyone I'm building a ship to fight a kraken. But the truth is. It's so I could escape if he ever found me. Je la voyais avec plus de cheveux. Still, I always wondered, could I have made a difference if I'd stayed and fought alongside the others? Non. Bon, on aurait pas eu la quête. I'll always carry that regret. And maybe that's what I deserve.
But I'll sleep a little easier now I know the others have been set free. You know, that uniform looks better on you than it ever did on me. I'm glad someone's picking up where we left off and aiming for the shores of gold. I'll clean up this piece and pass it along to you-know-who. But before you go sailing blindly into the Devil's Shroud, you should speak to the only pirate who ever used the Shroudbreaker and lived to tell the tale. You'll find her at Morrow's Peak. Good luck. Morrow's Peak. Les îles volcaniques. GG les gens. GG, la dernière quête c'est fini après. On l'a trouvé, on a fini.